2014 Africa Rice Science Week and GRISP Africa Science Forum. Africa Rice Interim Director General Adama Traoré, in his welcome address, remarked, Et 2014 est année internationale de l'agriculture familiale par les Nations Unies. Et comme vous le savez, le consortium des centres CIAR engagés dans la lutte pour la sécurité alimentaire ne pouvait que s'associer à cette belle initiative. Et Africa Rice a donc choisi de placer cette semaine scientifique sous cet auspice. Vous le savez tous, la riziculture est extrêmement importante pour la sécurité alimentaire en Afrique et elle est essentiellement conduite par des exploitants familiaux en Afrique. Et pour cette raison, nous ne pouvions pas mieux faire que de placer déjà les activités de cette semaine dans ce cadre-là. D'autres événements suivront très certainement, mais d'ores et déjà, à travers cette semaine scientifique, nous adhérons pleinement à faire de l'année 2014 une année pour rehausser l'engagement de tous les acteurs pour le développement agricole, en particulier un appui à l'agriculture familiale pour atteindre la sécurité alimentaire. C'était d'ailleurs le thème aussi du congrès pour ceux qui étaient avec nous à Yaoundé, au Cameroun. Mesdames et messieurs, nous avons adopté cette année un nouveau format pour la semaine scientifique. Ceci afin de permettre une meilleure planification des activités de collaboration avec nos partenaires et de tenir compte de notre mode d'intervention à travers les groupes d'action et les pôles de développement du secteur rizicole qui visent à accélérer la livraison des produits de recherche à nos bénéficiaires ultimes, les petits agriculteurs. Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de rappeler très brièvement quelques-uns des faits saillants qui ont marqué nos activités en 2013. J'ai parlé tantôt du docteur Papa Abdoulaye Seck, ancien DG d'Africa Rice, qui a été nommé en septembre 2013 ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural du Sénégal. Nous en sommes très fiers et nous continuons à lui souhaiter tout le succès nécessaire pour faire face à cette nouvelle mission. Vous le savez également, le processus de sélection en vue du recrutement d'un nouveau directeur général est en cours et nous espérons bien que le nouveau directeur général devrait être en place en janvier 2015 comme recommandé par le Conseil des ministres d'Africa Rice. Beaucoup d'entre vous ont participé au 3e congrès du riz en Afrique et au Forum mondial CRISP qui se sont déroulés au Cameroun en octobre 2013. C'est le lieu de vous remercier tous pour votre contribution à l'éclatant succès de cet événement qui n'a pas réuni moins de 650 participants venus de 35 pays africains et qui a été organisé avec l'appui de l'IRA du Cameroun, donc la FAO et Africa Rice. Nous avions, lors de ce congrès, d'ailleurs lancé un nouvel ouvrage de référence sur le riz, Realizing Africa Rice Promise.
et je serai heureux que cet ouvrage dans une version française puisse permettre à tous les acteurs de la région Afrique de pouvoir faire bénéfice de cet important ouvrage. En décembre 2013, la 29e session du Conseil des ministres s'est tenue à N'Djamena au Tchad. Et là également, permettez-moi de féliciter l'ITAD qui nous a apporté un appui excellent dans l'organisation de cet événement. Et au cours de ce conseil a été pris des résolutions importantes que nous sommes en train de mettre en œuvre. Il s'agit du retour conditionnel du siège en Côte d'Ivoire. Je dis bien retour conditionnel. Et je pense que nos chercheurs, nous voudrions vous dire, faites vos planifications en toute quiétude. Vous travaillerez dans un cadre tout à fait normalisé pour l'année 2014. Je voudrais aussi dire qu'au cours de ce conseil, notre présence en Afrique centrale a été félicitée, encouragée, et d'ores et déjà nous avons entrepris la démarche avec l'appui de la CEAC pour l'identification du pays qui pourrait abriter le siège, qui pourrait être le siège du centre régional en Afrique centrale. Nous avons également la désignation de l'Ouganda pour assurer la présidence du Conseil des ministres d'Afrique-Caraïbes. Vous le savez, en 2013, le Rwanda a rejoint Afrique-Caraïbes en tant que notre 25e pays membre. Je pense, mesdames et messieurs, que cette adhésion, en plus de celle de l'Ouganda et de Madagascar, ainsi que, je le disais tantôt, la présidence du Conseil des ministres par l'Ouganda, devrait contribuer à accroître notre visibilité en Afrique de l'Est, et nous allons nous y atteler très rapidement. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le directeur général adjoint était sur le terrain pour voir avec l'Ouganda et Madagascar de façon concrète ce que nous pourrions faire dès 2014. Les perspectives d'avenir pour Afrique-Caraïbes, mesdames et messieurs, sont donc très positives grâce à la synergie accrue des partenariats qu'il a su tisser au fil des années et qu'il entend renforcer davantage. Le nouveau format adopté cette année pour l'évaluation et la planification de nos activités entend y contribuer. Je souhaite plein succès à la semaine scientifique et au forum CRIS Afrique. Je vous remercie. For more information, please visit www.africarise.org.